Vous faites un bouton check ou ça va direct, les amis? Allez. Ça veut aller direct. Merci. Je me disais, j'avais oublié un truc. Alors, qui est de quel côté? Voyons voir. Ramlathal Valentine. Ah ouais, mais donc du coup, attends, on va échanger ici. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu, c'est pas forcément... Ouais, c'est ça. Exactement. Pardon? Non, c'est pas forcément. Allez-y. Pourquoi ils vont lancer? Je vais devoir... voilà. On va faire ça maintenant, les amis. Comme ça, c'est fait. Allez, let's go. Et tu vois là, par exemple, littéralement le match-up est favorable à Raph. Ok. Mais par rapport à l'expérience que ça a Jin a, je pense qu'il est comme. Je pense qu'il a favori. Favori, ouais, favori, ouais. Parce que c'est lui qui m'a amené dans le jeu. Ok. C'est mon premier jeu de combat, c'est le plus rare. Ok. T'as bien commencé les jeux de combat. Ouais. C'est un très bon jeu. Alors, du coup, là, ce que je te pose comme question, c'est en quoi est-ce que le match-up est favorable pour Ram Lethal? C'est au niveau de la range, c'est ça? Ouais, la range. D'accord. Kai versus Ram Lethal. Suili. Suili. On est parti pour cette demi-finale de loser. Ça a dit face à Cube, hein. Prend l'avantage. Oh, bah, faut bien savoir, hein. Ok. Tu peux le remettre comme ça? Ouais. Tous les DP sont roman comme ça là. Est-ce que tu... Ouais. Oui, ok, d'accord, je comprends, ouais, je vois. Voilà, là, Tadji est en train de vraiment mettre cette rame létale dans une position compliquée. L'inversion de position, directement le burst, il ne veut pas savoir, il ne veut pas perdre la situation de corner. Et là, je pense qu'il va probablement aller sur un bait. Non, il a perdu la situation de corner, il y a le counter qui est passé. On va oublier le burst. C'est-à-dire c'est son dash vers le bas là, ouais. Ça, ce truc, ça me rend fou. Tu le prends tout le temps dans le tibia et ça sort tellement vite. Pour réagir au niveau de la garde, c'est compliqué. 1-0 pour Tayaji. Ok. Voilà, déjà, il a déjà perdu son heure. Ok. Ouais, à ce moment, c'est est-ce qu'il va mettre l'overhead, est-ce qu'il va mettre la balayette. Je pense que dans l'idée, quand tu essaies de mettre la garde par rapport à ce genre de situation, il vaut mieux mettre la garde basse et la lever si c'est. Parce que l'inverse est trop compliqué. Non, il a une attaque speed, pas tout seul. Voilà. Ah, il bouge pas overhead. Waouh, je ne savais pas. Ouais, ouais. Ce que tu viens me dire, ça changera ma vie, ça. Hein. Ok, d'accord. Ouh, le confirme derrière. Il aurait pu encore expandre ça. Ok, d'accord. Voilà, ça va mettre des bons dégâts. La fois qui n'est pas terminée, je crois. Non? Il pouvait plus. Ok, d'accord. Ouais, ce truc-là, ça marche bien. Hein. Attention. Oh, ok, la porte a pris peur. C'est bien joué. Il n'y a pas eu de confirme derrière. Le Roman cancel. Attention. Situation de corner. Les pressings décalés. Ça, c'est intelligent. J'ai rarement vu de tels décalages dans Guilty Gear. Hein. À part l'Erika du. Oui, ouverture de garde pour le dos, attention au pep, je ne veux rien savoir. Ouais, la chope.
Oh là 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 là, mais il est in the game, hein, à Trifian, oui. Il faut pas laisser la situation corner, hein. Le pressing c'est reparti, l'overhead, le re-overhead, il a garde dessus. Mais qui est cet homme? Attention. Ah, le match commence à devenir serré, les gars qui commencent à rentrer en mode ultra instinct. Malheureusement là il y a un drop, hein. Il arrive quand même à trouver des ouvertures malgré la situation, attendant le comeback, éventuellement le test qui passe. Il n'y a pas eu de confirme derrière, il n'y avait pas de Roman Confell, il n'y avait pas assez fermé pour avoir. Bon, non, non, l'extension, est-ce que ça va tuer? Non, le reset, oui! Tellement bien joué du côté de Incube là qui récupère le deuxième match, un partout. Il a été super patient et réactif. Ouais, franchement, il a bien joué là. Incube qui est en train de level up en plein tournoi là. Donc, il y a une Ichi. Et là, on est reparti dans ce deuxième match. Ok. Et en fait, ceux qui sont foot arrière, c'est quand même. C'est quoi le foot d'art? Ok, d'accord. S'il le fait sans l'éclair, il est en négatif, c'est ça? Ok, d'accord. Okay. Mais c'est la seule. Avec l'éclair, c'est la seule position derrière laquelle il est foot. Ou bien un gâteau. Il n'y a pas aussi des situations où, en fonction de la distance, il reste différent. Je sais parce que dans les jeux, on bat souvent la lutte. Par exemple, Fighter, sort de combat. Ça marche différemment. Voilà, les dégâts, voilà, le combo. Il l'a fait rebondir. Comment on appelle ça, le fait de faire rebondir les persos? Un loup, ok. Kai qui a quand même de bons dégâts. Ils ont augmenté ses dégâts parce que par rapport au bien c'est resté à peu près pareil. Il y a une marge de l'augmenter dans ouais, parce que moi je trouvais que le dégâts il était pas ouf. Mais je trouve que Kai en tant que joueur de Filias, deux matchs qui sont assez c'est Kai et Gold Lévis. Gold Lévis c'est infernal. C'est waouh. Non 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 non. Il te gifle en fait, c'est très violent. Tout le monde. Pas des gentils. Ah, j'ai été, mais ça sert à rien. Ouais, ouais, c'est purement de la malveillance. Non, ça ne tuera pas. Ah, il a fait le. Oh mon dieu, il attache, il a mis un gros coup et. Wow. L'optimisation, elle était belle, hein. Je savais qu'elle pouvait faire ça, mais c'est vrai que j'en ai rarement vu. J'en ai rarement vu, mais j'étais au courant. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il a mis son. Il fait le plus de dégâts. Oh la chope, c'était chaud. Il a peut-être des chopes en fait. Et vu que l'autre a pas mis la chope au bon timing, ben ça a pris ça quoi. En plus ça a mis en corner. Par contre là, oh il a inversé les côtés, c'est très intelligent de ta part, les bons dégâts. Ah c'est dommage, il aurait pu mettre la super là derrière. Roman Confell, attention. Oh voilà, enfin ça y est, merci. Merci. Depuis le début de ce tournoi, on attendait des baits comme ça. Hein. Non, franchement, c'est ça, c'est bien joué. Ouais, ça, petit coquin. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Ah, je vois ça. Tadine qui a triché. Qui a pas laissé l'animation crame létale. Oh là 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 là, il l'a remis à terre. Il a dit c'est pas ton tour de jouer. Aïe aïe aïe, situation de corner. Hein. Oh! Il n'était pas en positif et du coup, c'est pour ça que Incube a trouvé. C'est bien parce que Incube il a su. Ouais, ouais. C'est bien de sa part. Hein. Alors là, ça va faire mal malheureusement. Il n'y a pas eu de follow-up, il n'y a pas lié.
Oh, bon timing de Gold Burst là. Et de Bart Harvey pour Van Cantel évidemment. Là, ça va, ça passe au niveau de la balette, c'est parfait. Oh, le drop, c'est dommage. Il tuait là-dessus. Enfin. Et là-dessus, il n'est pas positif, il n'y a pas eu de position. Attention, il n'est pas positif. On passe dans le bust. Bien joué, la moukoumisation de la part de Saadi. Du coup, il va faire la balle de match sur ce round. Et c'est parti, il n'a plus droit à l'erreur. Ok, la finish, non. Il se retrouve dans le coin, il a mis la bonne garde quand même. Hein. Ça, c'est pas facile. Comment par le bas, ouais. Ça bait en fait. Ouais, Il faut avoir l'habitude de se sentir de souvent boire son deux. Bah justement son FP ça ne suffit pas pour moi. Ouais non, ça, ça. Moi je pensais plutôt à genre. Ouais. Plus mémoire musculaire quoi. Aïe aïe aïe, ah là ça, c'est mal ça, Burst qui n'a pas été utilisé. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ton Burst? Non, il est mort sans utiliser son Burst. Après je pense qu'il le voyait comme ça, Jim. Hein? Je pense qu'il l'attendait. Il l'attendait d'appeler. Il y avait des petits trous où il pouvait le placer, hein, mais c'est très très bien joué, c'est très bien joué. Ça a